Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Des opportunités d'investissement présentées par la Gambie. À Daloa, un nouveau syndicat pour les agriculteurs. Et Marcel Billet a effectué son dernier voyage. L'ambassade de Côte d'Ivoire au Sénégal, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a organisé un forum économique ivoiro-gambien. Quand je vois les cadres de visite et les contacts être échangés, je suis confiant que les relations entre ces deux pays, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Gambie, iront au-delà d'un contrat. Mais une relation basée sur des personnes échangeant des cultures, travaillent ensemble et créant des opportunités de travail et de richesse. La Côte d'Ivoire offre des opportunités d'investissement dans 7 secteurs clés. Ce sont les secteurs agro-industriels, chimiques, de matériel de construction, de pharmacie, d'automobile, d'emballage et de textile. J'ai voulu participer à cet événement parce que tout simplement nous avons besoin d'étendre, de connaître et de savoir ce qui se passe hors de nos frontières. Et je pense que ce que j'ai entendu aujourd'hui m'ont vraiment fait du bien. Je pense que la Gambie est une terre vraiment à visiter, et surtout en opportunité d'affaires. 3 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Gambie ont sanctionné le jeudi 27 avril la visite du président gambien à Abidjan, dont un accord portant sur la coopération dans le domaine de l'énergie. Avec cet accord, les parties conviennent de coopérer à la recherche efficace, au développement, à l'exploitation, au commerce, à la distribution et à l'utilisation de toute forme d'énergie. Sur plus de 20 000 dossiers de création d'entreprises reçus, 4 174 ont été rejetés de janvier 2022 à mars 2023. Le nombre de rejets est lié entre autres aux difficultés d'accès à la plateforme ou encore au suivi de traitement de la demande en ligne. Les problèmes rencontrés par les entrepreneurs ont incité le CPC à initier un rendez-vous des acteurs de l'écosystème de la création d'entreprises, à savoir la CNPS, le Tribunal du commerce et le Mouvement des petites et moyennes entreprises. L'enjeu étant de collecter leurs contributions en vue de l'amélioration du processus. Nous avons convié à cet atelier tous les acteurs de l'écosystème de la procédure de création de l'entreprise. Il est important qu'on entende les acteurs eux-mêmes qui créent l'entreprise et les acteurs qui sont les entrepreneurs pour comprendre quelles sont leurs attentes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent et surtout leurs recommandations pour que nous puissions améliorer non seulement l'application, mais améliorer aussi l'expérience client et aussi de savoir quelles sont les améliorations en termes de procédures qu'on doit mener. Et ça pourrait être des améliorations de réduction même des pièces qu'on demande. Ça pourrait être des améliorations en termes de texte qu'on devrait passer. Donc c'est vraiment ces éléments-là et aussi d'amélioration technique. Nous avons encore un secteur privé beaucoup informel dans pas mal d'activités. Ce type d'atelier devait permettre véritablement de rassurer tout le monde et d'avoir les informations idoines pour aller vers la formalisation et permettre à l'État d'avoir en fait des mesures correctives pour les rendre beaucoup plus compétitifs dans les différents secteurs d'activité. La création d'entreprises reste la première étape de l'investissement avec l'attribution d'un identifiant unique. Défendre les intérêts des acteurs du système agricole et faire respecter les prix des produits agricoles sur l'ensemble du territoire national, c'est l'objectif que s'est assigné le SINAPSI, Syndicat National Agricole pour le Progrès en Côte d'Ivoire. Le syndicat a décidé d'installer des sections de proximité dans toutes les zones de production. À Daloa et dans le canton Baloa Sud, le village de Séria a abrité la cérémonie de rentrée syndicale. Nous sommes aujourd'hui ici à Séria pour venir lancer l'activité de nos secrétaires de section. Le conseil que nous leur donnons, c'est d'être à l'écoute de nos braves paysans par rapport à les différents soucis et être à leur côté pour de faire de sorte que les acheteurs qui puissent vraiment respecter le prix annoncé par le président de la République et faire de sorte que s'il y a d'autres soucis qui mènent dans le secteur pour nous faire remonter ça. Les planteurs et agriculteurs du canton Baloa Sud fondent leur espoir en cette nouvelle équipe syndicale pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous sommes très contents parce que nous sommes confrontés à des problèmes
surtout des problèmes, beaucoup de problèmes. Surtout les problèmes d'achat de produits, problèmes de l'agriculture même, parce qu'il y a des champs qui prennent, des plantations qui prennent feu ici et on se plaint, il n'y a pas d'issue. Et nous sommes contents, les acheteurs qui font, soit on dit le cacao à 1000 francs, ils viennent payer ça à 500 francs, 600 francs, je crois qu'ils peuvent lutter pour nous. La section Baloa Sud, nouvellement installée, mesure bien sa mission et s'engage à aller partout pour défendre les intérêts des producteurs et agriculteurs dans sa zone. Et nous terminons sur cette note de tristesse. Le monde médiatique a perdu l'un de ses grands pionniers le 26 mars dernier. Il a rangé le micro pour toujours. Il s'agit de Marcel Billet, père de l'éminent journaliste et écrivain franco-ivoirien Serge Billet. C'est sous la pluie que Marcel Billet a effectué son dernier voyage dans son village natal Abi, village situé à 33 km d'Abouasso. Tristesse et consternation étaient au rendez-vous. Les funérailles furent marquées par une veillée religieuse traditionnelle et une messe de requiem à l'église catholique Notre-Dame Immaculée Conception d'Abi. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur cette info.